Salut, ça va et toi? Très bien. La forme? Bah ouais, je suis contente d'être là. Mais oui, je suis contente d'accueillir. Tiens, si. Tu as un petit habillé. Merci. Obligatoire pour rentrer en cuisine. Je vais t'apprendre un peu la cuisine. Ah, ouais. on va voir ça. Parti. Pourquoi t'es cuisinier, Fabrice? Tout simplement parce que... En fait, c'est un métier qui concilie beaucoup de choses que j'aime dans la vie. Aussi bien la gourmandise, bien entendu, je pense que si on est cuisinier, c'est qu'on est gourmand. En même temps, il y a ce côté créatif qui me plaît. Parce que j'ai toujours aimé dessiner, des sports un peu artistiques comme le skate, le surf. Et en même temps, donc voilà, il y a le goût, la gourmandise et en même temps, bien entendu, le partage, la convivialité, les bons moments. Les assiettes, on peut dire qu'elles sont graphiques? C'est quelque chose qui te correspond? En fait, j'essaie toujours de concevoir un plat, ouais. Que ce soit au niveau du goût ou de l'esthétique, comme j'ai envie de le manger ou de le voir. Tu as souvent cette manie un peu de faire trois fois la même bouchée? Moi, j'aime bien manger comme ça, goûter un peu à tout, donc voilà c'est souvent dissocié. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu résistes pas? Pendant la saison, quand ça fait un moment que j'ai pas vu de fraises, ah, je me mets une tarte aux fraises, ça peut être dès le matin ou le soir, n'importe quelle heure, ouais, je vais craquer, je vais en manger. En ce moment, c'est quoi les trois plats de la carte phares pour lesquels il faut absolument venir? Non, je dirais c'est le chipiron et porc de quinoa. Ouais. C'est le plat que j'ai pas sorti en fait de la carte parce que voilà, c'est un coup de cœur. Je dirais le merlu de l'île de Saint-Jean parce que c'est un poisson qui est d'ici, qui est exceptionnel et que j'aime garder dans ma carte. Dessert, pareil, coup de cœur, c'est un dessert que je fais à fromage blanc de brebis locale, la Manèche, avec de la truffe maintenant de Bourgogne, truffe d'automne. Le cœur perçoit ce que l'œil ne voit pas. Non, ah on fait, allez,